Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on vous parle de la Villette. Comme vous le savez, récemment on a organisé un événement à la Villette, c'était vraiment un truc de ouf et on a décidé un peu de vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées à cet événement de folie. Voilà, on vous a tous rencontrés, c'était un grand plaisir. Voilà, merci, ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc cet événement était organisé rien que pour vous les abonnés. On vous a organisé des workshops, c'est-à-dire des cours pour vous apprendre, et on a grave kiffé vous voir à l'œuvre pour la première fois. En gros voilà, les workshops c'était vraiment lourd et je pense qu'on va en organiser d'autres prochainement, peut-être des meet-up, peut-être des rencontres abonnés. Dites-nous en commentaire si vous voulez avoir plus d'événements dans ce style, des événements où vous venez à notre rencontre, où on vient aussi à votre rencontre. Je ne sais pas ce que font les deux types derrière moi, mais je sais que dès que je vais me retourner, je vais m'énerver. Ah, vous avez fini la merde! Putain, vous voyez pas que je suis en train de filmer? Vous voyez pas que depuis tout à l'heure je me concentre pour filmer, vous êtes là vous faire n'importe quoi? Vous voyez pas que depuis tout à l'heure il y a le mec qui travaille? Putain, cassez-vous là! On n'arrive pas à rester concentré ici, putain de merde! Putain, c'est un truc de ouf ça, mon frère! Non mais en fait moi j'étais pas là à la Villette avant qu'ils étaient en train de s'ennuyer. Moi j'étais à Melbourne, après j'étais au Japon en train de m'entraîner. Et ouais, non, non, ça c'est bon, t'arrêtes. Non, en vrai, d'habitude vous voyez des vidéos sur YouTube, les tutos, tout ça. Et bah là en fait ces tutos là vous les avez vus en live. Et on a pu vous voir les faire directement. Franchement c'était cool, en plus en live c'était pas mal. Sinon le Real Madrid aussi c'était bien aussi au Japon. Arrête wesh. Bah le truc en fait c'est que nous à S3 on organise des événements tout le temps. Tu vois, tout le temps, tout le temps. Et le truc c'est que cet événement, oui, il a été fait pour vous les abonnés. Mais on a aussi une communauté freestyle qui a participé à cet événement, qui était là, qui était présent. Donc déjà, gros remerciements à eux. Et on a organisé un battle juste pour eux aussi. Sur la tête de Rome en plus de ça, je te jure c'était super chaud. Parce qu'en fait regarde, on a fait une catégorie lower. Lower c'est quoi? Lower c'est tout ce qui... Tu vois, un truc bizarre comme ça, trop dur à faire. Peut-être plus tard tu fais des catégories, on sait même pas c'est quoi la catégorie. Et en plus tu fais du poney comme ça là. Donc il y avait deux catégories. Et en fait, tu sais, il y a une catégorie, elle est grave performance, une catégorie grave stylée. Et en fait, bah ça existe pas en France, donc on a décidé de le faire et... Je crois qu'ils ont kiffé, hein, ils ont kiffé. Tu peux regarder les images, regarde, elles sont là. En fait, voilà, on a fait deux catégories. On a mis le lower en avant parce qu'en France, voilà, nous on est plus basé sur le style et on a voulu les mettre un peu en avant. Big up aux participants et à ceux qui ont gagné. Non, mais attends, il a parlé de freestyle football, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des panas. Eh, mais c'est quoi le pana? Alors, qu'est-ce qu'est le pana? C'est très simple. Voilà, comme vous a dit Logan, alors le pana c'est quoi? C'était un contre un et tu dois mettre en fait un petit point à l'adversaire. Voilà, c'est tout. Ou sinon, des fois ça joue de par 3 buts. Ça veut dire si tu marques 3 buts, bah t'as gagné. Mais si tu mets un petit pont, bah t'as gagné aussi. C'est pareil en facette. Bon, big up à tous les abonnés qui ont participé à cette compétition incroyable de pana. Voilà, merci à vous. Il y en a qui sont pris des panas, d'autres non. Mais voilà, ceux qui sont pris des panas, j'espère que ça va mieux. Hein. Désolé. Désolé à vous tous. Voilà. Et pour tous les autres qui nous ont pas vus ce jour-là, retrouvez-nous le 3, le 4, le 7 à Belgique. Le 7, le 8. Yo, c'était la Team S3. Voilà. Voilà. Le 3 est terminé.
J'espère que vous avez kiffé. Gros remerciements à la Villette. La Villette. À tous ceux qui sont venus. C'est vous qui sont venus. Gros remerciements aux youtubeurs aussi. Ouais, il y a des youtubeurs qui sont venus du Sky, tout ça, on est ensemble. Après, on vous l'a pas dit, mais il y a deux vidéos qui arrivent. Deux vidéos à propos de la Villette. Ouais, la semaine prochaine, mon gars, il y a une vidéo spéciale. Les abonnés nous défient. Exactement. Parce que là, on vient de rencontrer nos abonnés. Et la prochaine vidéo, c'est on défie nos abonnés. En attendant, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de abonnez surtout. Abonnez. Non, bon, abonnez-vous la vie. J'ai pris le truc.